comment installer, régler ou modifier le réglage d'un contrôleur de charge qui vous est présenté éventuellement dans les packs Arpelec. Sachant que la notice fournie en anglais et en chinois, nous vous proposons et nous avons travaillé sur la notice que nous vous fournissons en français. Nous complétons cette notice par une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer éventuellement comment régler ou modifier ce contrôleur de charge. Dans la pratique, le contrôleur de charge est fait pour contrôler la tension ou la charge d'un panneau photovoltaïque associé à une batterie pour alimenter votre générateur. Pour la connexion, nous avons deux entrées, une sortie. En commençant par la gauche, ici, le symbole d'un panneau photovoltaïque. Et comme nous sommes en courant continu, vous aurez à chaque fois un plus et un moins. Le plus, toujours un fil rouge, le moins, toujours un fil noir. Ici, vous avez le symbole d'une batterie, avec le plus et le moins, toujours le plus en rouge, le moins en noir. Et enfin, à droite, la sortie utilisation, avec un plus en rouge et le noir en moins. Dans l'ordre de priorité des branchements, et ceci est très important, c'est pour ça que nous l'avons souligné et mis en gras dans la notice, il faut brancher la batterie toujours en premier. Ici, nous avons utilisé une batterie de voiture en 12 volts 50 ampères. À gauche, nous branchons le panneau photovoltaïque, celui que nous préconisons sur le site, notamment le 50 watts en 18 volts. Et enfin, à droite, l'utilisation où vous pouvez brancher votre générateur Arpelec. Comment se présente le contrôleur de charge? Nous avons des petits dessins qui représentent les caractéristiques, c'est pas des touches sensitives, donc ça sert plus ou moins à rien, en fait, que de la publicité. Ici, c'est le titre en anglais. Vous avez trois boutons ici de contrôle, dont nous allons voir les fonctions. L'écran, qu'on appelle display en anglais. Et enfin, ici, deux prises USB, où vous pouvez éventuellement brancher votre chargeur, votre téléphone. Mais en aucun cas, attention, j'insiste bien, en aucun cas, ne vous servez pas de ces prises USB pour alimenter votre générateur Arpelec. Pourquoi? Parce que les prises USB sont limitées à 2 ampères. Le générateur Arpelec peut, suivant les cas, consommer plus que 2 ampères et vous risquez d'endommager votre... C'est pour cela que le générateur Arpelec doit être branché sur la sortie ici, utilisation, avec ce petit symbole d'ampoule. Maintenant, nous allons brancher la batterie en premier. La batterie est branchée. Que voyons-nous sur l'écran? Nous avons ici la tension en volts, 12,7 volts, de la batterie, ici, avec son niveau de charge, et la petite flèche noire, ici, vous indique que la batterie alimente l'utilisation. Ce qui veut dire que au niveau du branchement, ici, vous avez actuellement le courant électrique qui rentre ici par la batterie, qui est contrôlé et qui repart ici, vers notre générateur Arpelec, bien sûr. Et là, ça fonctionne. Si je me tourne vers le petit interrupteur, vous voyez que l'interrupteur est bien allumé. Branchons maintenant notre panneau photovoltaïque qui nous fournit actuellement 12 volts sous 3 ampères. Après avoir branché le panneau photovoltaïque, vous voyez que sur l'écran, nous avons ici le symbole du panneau photovoltaïque avec une petite flèche qui clignote, qui veut dire qu'actuellement, notre panneau photovoltaïque est en train de recharger la batterie. Et la batterie, elle-même, envoie du courant sur notre utilisation, à savoir le générateur. Nous allons voir maintenant à quoi servent les trois boutons situés sous le petit cadran. Commençons par celui de droite, qui est le plus simple, qui est en fait, au départ, un bouton marche-arrêt. Si vous appuyez dessus, vous stoppez l'alimentation de la batterie sur votre générateur et votre générateur s'éteint. Il est éteint. Si je rappuie dessus, ça l'allume. Je rappuie dessus, je l'éteins. Je rallume mon utilisation, c'est-à-dire mon générateur, ici. Ce bouton a une deuxième fonction qui est le symbole moins qui va être associé à cette touche ici qui ne sert qu'à ça, au plus, c'est-à-dire à augmenter, diminuer une valeur que nous allons régler avec ce bouton de gauche. Je rappelle, ce bouton c'est
soit marche à réutilisation, ou le moins associé au plus pour régler des valeurs qui sont déjà pré-réglées à la vente avec ce contrôleur. Le bouton de gauche qui devient très intéressant car dans notre utilisation personnalisée d'un générateur qui consomme en fait pas grand-chose, nous allons pouvoir faire des réglages légèrement modifiés en appuyant la première fois sur ce bouton. Comme ça, vous avez 13,7 V avec un signal de batterie pleine. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que quand le panneau photovoltaïque aura chargé ici la batterie et qu'elle sera pleine, ici on aura 13,7 V, le contrôleur arrêtera la charge du panneau photovoltaïque sur la batterie, car un panneau photovoltaïque en plein soleil peut vous envoyer jusqu'à presque 24 V. Et pour une batterie en 12 V, je ne suis pas sûr qu'elle apprécie. Donc, ce contrôleur, il est bien nécessaire et obligatoire pour protéger votre batterie, bien sûr. Donc à 13,7 V, regardez bien, la symbolique du panneau a disparu et votre batterie est chargée. Donc actuellement, ça continue de charger. Deuxième appui, nous avons 12,6 V, batterie vert, utilisation. C'est ce qu'on appelle la tension de reconnexion. La tension de reconnexion, ça veut dire que dès que votre batterie arrive au seuil de 12,6 V, à 12,5 V, le panneau, hop, recharge la batterie. C'est-à-dire que le contrôleur va mesurer cette tension de batterie et à 12,5 V, il va dire au panneau photovoltaïque, vas-y, tu peux me recharger. Donc, ce réglage que nous obtenons à la deuxième pression sur ce bouton-là est très intéressant parce que certains d'entre vous ont eu des petits soucis où le contrôleur arrêtait la charge de la batterie. Sachant que le panneau photovoltaïque que nous vous préconisons en 50 watts et 18 volts peut descendre vers 8-9 volts par temps ombragé, à ce moment-là, il peut ne pas recharger la batterie. Ce que je vous propose éventuellement, c'est de modifier la valeur du deuxième paramètre, c'est-à-dire qu'on appuie ici et ici, et là, vous laissez appuyer, et vous allez voir, hop, ça clignote. Et je vous propose de vérifier votre contrôleur de charge et d'abaisser cette valeur de 12,6 V, de façon à ce que le contrôleur puisse mesurer ici la tension du panneau photovoltaïque, et que si elle descend en dessous de 12 V, elle puisse continuer à charger par temps couvert votre batterie. Je vous rappelle que ici, vous avez le plus et le moins. Nous allons appuyer donc deux fois sur ce bouton de gauche. 1, 2, on laisse appuyer. Et avec le bouton moins, nous allons descendre successivement par dixième de volt à sa valeur minimum par le fabricant qui est de 11,5 V. Voilà, je vérifie en appuyant deux fois. Et regardez, il a bien enregistré ma tension de 11,5 V. Pour information, le contrôleur de charge n'a pas de batterie interne. Donc tous les réglages que vous changez, si vous débranchez la batterie, il se remet avec les réglages d'origine. Donc si vous avez changé un réglage ou deux, il faudra les refaire. Nous allons appuyer trois fois sur le bouton de gauche. Ici, vous voyez la batterie vide avec 10,7 V. C'est la tension à partir de laquelle le contrôleur va stopper l'alimentation de l'utilisation. 10,7 V. Par défaut. Sachant que les générateurs Arpelec peuvent fonctionner entre 6 et 30 volts. Nous allons donc pouvoir indiquer au contrôleur de charge, lui, comme quoi il peut ne pas se déclencher à partir de 10 volts et quelques, mais bien plus bas. Donc, pour régler ce paramètre, nous allons appuyer 3 fois, ici, et c'est cette valeur-là que nous allons changer. Je laisse appuyer pour le faire clignoter. Et nous allons baisser avec le moins. Le minimum, c'est 9 volts. Et nous gardons cette valeur. Nous avons changé deux valeurs. La première valeur, 13,7 V, c'est la tension à partir de laquelle le contrôleur va arrêter la charge. La deuxième, 11,5 V, c'est la reprise de charge. 1, 2, 3, c'est la tension admise par l'utilisation. Et ici, on a un générateur qui peut accepter jusqu'à 6 volts. Nous sommes mis à la valeur minimum de 9 volts. Il reste encore deux fonctions à voir sur ce bouton, sachant que à chaque fois que vous appuyez, c'est une boucle qui tourne. Nous avons vu les trois premières, nous allons voir la quatrième. 1, 2, 3, 4. 24, c'est le nombre d'heures, c'est 24 heures.
Ça, on n'y touche rien, le contrôleur fonctionnera tout le temps. Nous allons voir maintenant la cinquième fonction. 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas 61, mais B1. C'est le type de batterie que vous devez utiliser, sachant qu'il y en a 3. Pour les régler, vous avez le bouton à laisser appuyer, ça clignote, et B2 ou B3. Si vous rappuyez, vous revenez à B1. B1, c'est les batteries scellées. B2, c'est les batteries au gel. B3, c'est les batteries pleines. Le mieux, c'est de se mettre au minimum qui correspond à la B2. Donc, je vous propose éventuellement, pour couvrir l'ensemble des batteries, de régler à B2. Je vous rappelle le réglage. On appuie 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. On laisse appuyer. Et on se met à B2. Voilà. On laisse. Ça finit de clignoter. C'est réglé. Au niveau de la notice que nous vous fournissons en français, le plus important à se rappeler, toujours brancher la batterie en premier sur le contrôleur de charge. Branchez le panneau photovoltaïque en deuxième, puis connectez votre utilisation, à savoir le générateur. Dans les modèles de contrôleurs que nous vous fournissons, vous pourrez avoir soit le 10A, soit le 20, soit le 30, ça n'a aucune importance, sachant que le 10A en 12V, on a 120 watts, ce qui est largement suffisant. Donc si, même si vous avez un 10A dans votre colis, il n'y a aucun problème pour alimenter votre installation. Nous vous rappelons que le schéma de branchement se trouve sur la page schéma de branchement du site internet arpelec.fr. Pour récapituler cette vidéo, je vous rappelle que au milieu, la batterie, avec la petite icône batterie, a branché en premier. Le plus le rouge, le moins le noir. En deuxième, vous pouvez brancher le panneau photovoltaïque, le rouge, le plus, le noir, le moins. Votre générateur Arpelec avec le plus, le rouge, le noir, le moins. Les sorties USB, on ne les utilise pas. Elles ne fournissent pas assez de courant, c'est que 2A. Les trois boutons sous l'écran. Nous avons ici marche-arrêt pour l'utilisation. On arrête la petite utilisation qui est symbolisée par une ampoule. Voilà. Deuxième fonction, c'est le moins et ici, associé avec le plus pour changer des valeurs que nous aurons ici. Et ici, le bouton multifonction, que nous allons revoir très rapidement. Sur l'écran actuellement, nous avons un petit soleil qui montre que le panneau photovoltaïque est en train de charger la batterie, symbole batterie, avec son niveau de charge, 3 barres sur 5. Et ici, la flèche qui alimente l'utilisation, le générateur. Ici, c'est la tension que nous avons au niveau de la batterie. J'appuie une première fois. C'est tension d'arrêt de charge de la batterie, 13,7 V. Deuxième coup, 11,5 V, c'est quand ça va se remettre en route. 11,5 V, c'est le minimum. Dès que la batterie arrive à 11,5 V, ordre est donné au contrôleur de recharger la batterie. Troisième, 9 V, le contrôleur peut alimenter le générateur, puisque le générateur, lui, peut fonctionner à partir de 6 V. Je rappuie encore. Une quatrième fois, c'est 24 heures sur 24 de fonctionnement. Et B2, c'est le type de batterie que nous avons choisi, qui est le seuil minimum. Ça vous évitera de faire d'autres réglages par rapport à la batterie que vous utilisez. Voilà pour le contrôleur de charge que vous pouvez trouver à la page catalogue de notre site internet avec des packs et des prix promotionnels pour les membres. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site Arpelec comme membre. L'inscription est gratuite et vous donne droit à des réductions, notamment des ports gratuits et des promotions spéciales.